Quoi là-dessus? Seul sur une gare isolée, une valise à ses côtés, devenir gris. Hein, les amis, vous êtes là? Oui, bonjour. Bah, je vous fais une grosse série là sur ce titre qui s'appelle Visage. C'est un jeu assez terrible et c'est pour ça que je prends le temps de vous enregistrer des sessions que je vais probablement diffuser en quasi-intégralité, en coupant juste les longueurs. Et que je vous fais aussi une petite review pour les gens qui n'auraient pas le temps de regarder tous les streams pour vous décrire le jeu, de quoi il en retourne. Alors Visage, ça aura un petit goût de déjà vu, puisque oui, le principe d'être enfermé quelque part et puis qu'il se passe des choses bizarres, ça a déjà été vu et revu et revu. Sachant que la dernière fois où on l'a vu et que ça a eu vraiment la cote, c'était dans la démo qu'il y avait sur la PS4, si vous vous rappelez. Je sais pas si Pity ça vous évoque quelque chose. Mais le concept était assez rigolo, puisque c'était un petit bout de maison, c'était même pas une maison en entier, où on arpentait un couloir, et puis à chaque fois, il se passait des trucs bizarres. Et étrangement, quand on arrivait à la dernière porte, puf, ça nous ramenait à la première. Partant de ce délire-là, c'est pas très très dur de faire des jeux comme ça qui sont basés sur les scripts. Et donc, une équipe s'est mise en tête de dire « Oui, on va reprendre le stress de Pity et le monter à son paroxysme. » Et du coup, ils ont réalisé ce jeu qui s'appelle Visage, et dans lequel vous êtes lâché dans une baraque après des événements qu'on ne vous décrit que visuellement en intro, et qui sont un poil perturbants quand même. Et oui, parce qu'il faut que je fasse du no spoil pendant la review aussi, c'est important. Et du coup, après ce flashback, probable, vous vous réveillez dans votre baraque, enfermé à l'intérieur. Et il y a effectivement des trucs zarbi qui se passent. Donc les lumières commencent à déconner. Les portes s'ouvrent et se ferment à volo. Puisque c'est une expression qu'on n'utilise plus, je me suis dit, tiens, c'est bien la déterrer. Je me suis mort plein de fois dans ce jeu. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui font monter une tension certaine, palpable. Du coup, les développeurs se sont dit, on va s'en servir, et on va jouer aussi sur l'état mental du joueur, qui va être affiché à l'écran avec son petit cerveau, ou s'il fait pas gaffe, qu'il reste pas dans la lumière, et qu'il s'aventure trop souvent dans des zones d'ombre qui pourraient pas être agréables pour lui, on va lui faire dégrader sa santé mentale, ce qui fait qu'on va lui rajouter des événements qui vont se passer qui sont pas forcément réels. Alors, je vais pas spoiler, mais si vous regardez les streams, vous allez voir qu'il y a beaucoup de flip qui est basé sur ce que vous cogitez. Et c'est ça qui est vraiment très drôle. C'est-à-dire que c'est un jeu, et ça j'y reviendrai dans la conclusion, mais c'est un jeu tout en suggestion, et du coup c'est très réussi pour ça, parce que ça fonctionne à 110%, quoi. Vous êtes dans cette baraque, vous n'avez sur vous aucune arme offensive ou défensive, vous peinez avec un inventaire, et ça je vais y revenir aussi, qui est plus que pénible, et vous n'avez que votre truc et votre couteau pour survivre, quoi. Et du couteau, vu que vous n'en avez pas, vous n'avez que votre truc. Comment ça, c'est stressant? Ok, je vais mettre le briquet un moment, mais... Alors, dit comme ça, on se dit, va pas y avoir grand-chose. C'est effectivement un univers de script à déclencher. Comment se pourrait-il qu'il y ait vraiment des grosses frayeurs? Faut savoir qu'en fait, tout est amené progressivement. Et du coup, là où vous croyez connaître certaines choses dans la géographie de la baraque que vous explorez,
vous allez vite réaliser que des fois ça part un petit peu en sucette. Donc entre les objets qui ont changé d'endroit ou qui se sont activés ou désactivés à votre insu, il y a plein de choses qui se passent et qui vous mettent le doute en permanence. De surcroît, vous n'allez pas être seul dans cette immense baraque, puisque à un moment vous allez forcément faire une rencontre. Je pense que le jeu est construit, je ne l'ai pas fait en intégralité, on est en alpha. Le jeu est construit de telle manière qu'il y a plusieurs chapitres. Et donc là je suis en train de me tartiner ce qui apparemment est le premier chapitre. Et je me suis fait une bonne amie qui a tendance à me poursuivre et me zigouiller d'une manière tout à fait dégueulasse que vous découvrirez dans les streams. Et qui le fait non sans me faire monter la panique avant quoi. J'ai vu des pieds. Je vois des pieds. J'entends quelque chose. À qui s'adresse ce genre de jeu? Bon, c'est clairement pas un actionneur, c'est pas un FPS. Vous pouvez passer votre chemin à ce niveau-là. Niveau horreur, bah c'est pas du Resident Evil non plus, puisque on vous montre pas des gros monstres baveux dégueulasses, comme on le fait généralement dans 80% des titres d'horreur. Non, ici tout est vraiment suggéré et vous voyez très très peu de choses. Et peu de choses que vous voyez sont assez marquantes pour que vous ayez plus trop envie de les voir après. Oh putain la salope. On se casse. Cours. C'est ça qui est vraiment talentueux. Moi, le jeu m'a fait penser au premier Alien, puisque j'aime bien me servir de cet exemple pour bien illustrer aux gens que la pire chose qu'on puisse mettre dans un jeu ou un film d'horreur, c'est ce qu'imagine le spectateur. Et à ce niveau-là, ça marche super bien, parce que si, comme moi, vous avez le malheur d'avoir une imagination très fertile, vous avancez très lentement dans le jeu, je vous le garantis. Salut, je suis à la recherche de phénomènes pas très normaux. Vous en aurez vu chez vous, là? Donc du coup, tout est suggéré, vous avez très très peu de scènes glauques, mais elles sont quand même bien dégueulasses quand vous tombez dessus. Et c'est rouge en bas. Cours. Je cherche pas à comprendre, cours. Oh putain, barre-toi. Et du coup, bah, l'ambiance malsaine est parfaitement réussie. Mon lighter est empty, mon lighter est empty, je fais ce que je peux, ben. Alors comment ça on... Putain de ta mère. Est-ce qu'il y aurait des choses à dire en négatif aussi sur le jeu? Alors, je peux pas trop me permettre, parce qu'on est toujours en alpha. Donc les devs vont continuer de bosser sur le produit, au moment où je vous parle, ça se trouve, il y a encore une nouvelle version qui est dispo, qui corrige certaines petites choses qui peuvent être gênantes. Soit dans le gameplay, soit dans le jeu techniquement lui-même. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que certains moments, on tourne quand même vachement pour rien. Regardez-moi cette belle ampoule flottante. Hop là. Et du coup, à force de ne pas être dirigé du tout, puisque c'est effectivement le cas, on n'a aucune direction flagrante, à part trouver de quoi survivre, donc ça se résume essentiellement à des briquets et des appareils qui vous permettront d'avoir plus de lumière. Mais c'est un petit peu gênant parce que, oui, le sentiment de tourner en rond est inévitable et ça va peut-être gêner certaines personnes qui ont envie que ça avance vite. Ça, c'est un des trucs.
toute façon, qu'est-ce que je crains? J'ai un appareil photo et un Zippo. Je pense que je reviendrai sur ce titre quand je parcourrai les autres chapitres qu'il compose apparemment, pour voir si les développeurs ont eu l'idée quand même d'enrichir le gameplay en le développant dans des directions un petit peu différentes à des moments. Ce qui risque d'y avoir un sentiment de ras-le-bol de tourner dans la baraque. Alors je peux spoiler qu'on n'explore pas uniquement dans cette baraque. Il y a des moments où vous allez vous retrouver dans des endroits plutôt inattendus et que vous allez regretter votre baraque en fait. Je ne spoil toujours pas. C'était très très dur de parler d'un jeu comme ça sans balancer trop d'infos. Je pense que le mieux, c'est vous en tenir à ce que je vous ai dit au sujet de qui ça concerne. Si vous aimez les ambiances où c'est davantage suggéré que montré, et que vous avez envie de jouer à vous faire une bonne flip, Visage est parfait pour vous. Oula. What the what? Si maintenant vous estimez qu'un jeu d'horreur, c'est un jeu dans lequel vous devez voir systématiquement des trucs dégueulasses et des choses très explicites visuellement sous votre regard, il y a des chances qu'il vous plaise pas puisque vous aurez vraiment cette impression de tourner en rond dans une baraque et ça sera peut-être pas très folichon pour vous. Voilà, j'ai bien résumé le truc. Je te l'ai déjà dit. Maintenant, je vais vous laisser avec les streams. Et à cette heure-là où j'enregistre ça, je ne sais toujours pas si je vais utiliser une petite astuce que j'ai remarquée, qui consiste à rajouter des barres cinémascope au-dessus et au-dessous de l'affichage pour vous masquer les zones d'indication. Parce que d'une part, ça vous masque les zones d'indication, donc l'immersion est encore plus profonde. Et en général, en bas à gauche, vous avez l'icône du cerveau qui indique votre santé mentale. Et puis d'autre part, dans le format visuel, tout en largeur, ça renforce encore le côté oppressant du jeu. Donc je ne sais pas si je vais utiliser cette petite astuce de montage vidéo derrière. Vous le verrez dans les streams suivants. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je vais laisser les streams en intégralité, les sessions en intégrale. Donc ça va faire des sessions assez longues. Je vais faire plusieurs épisodes. Et je vais me contenter de couper les passages qui sont vraiment longs, où il y a vraiment... tu sens que le gars il tourne dans un labyrinthe, mais qui bloque contre le même endroit sans arrêt. Voilà. Donc, en global, le jeu, c'est un jeu à suivre. S'il peut s'améliorer encore un petit peu, on n'est pas contre. Dans l'état où il est déjà vachement génial sur l'ambiance, puisque ça fonctionne sur tout le monde. J'ai essayé sur 2-3 personnes aussi, c'était très très drôle. On va lui reprocher ses lenteurs parfois, mais ça s'arrêtera là. Pour un truc fait à base uniquement de script, je trouve ça quand même très très bien foutu et le contrat est 100% rempli. Maintenant, je vous laisse avec les sections de jeu et je pense que vous allez bien vous marrer parce qu'il n'y a rien de plus drôle que de voir quelqu'un qui se met en mode panique dans un jeu vidéo. Bon visionnage, ciao !